Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'album de mariage que j'ai fait pour mon ami. Donc, il se présente comme ça, avec des petits coins sur les côtés. Alors, il est molletonné. J'ai mis du molleton à l'intérieur. On a le croqueur, on a les petites lettres en bois que j'ai peintes en doré. Sur la tranche, il est comme ceci. Donc, les petites fleurs en bas. La date du mariage et sur le côté il est comme ceci. Donc pareil, c'est molletonné, ça c'est les petits panneaux en bois peints et avec écrit les petits noms. Bon. Donc il se ferme difficilement parce que j'ai un petit peu trop chargé la déco. Mais l'essentiel, c'est qu'il se ferme. Donc, je suis désolée, je filme très mal parce que je tiens la caméra en même temps. Donc voilà, vous avez une dentelle blanche avec un petit ruban en organza orange. Les couleurs du mariage étaient blanc, doré et orange. Donc, à l'intérieur, la couverture s'ouvre comme ceci. J'ai mis un papier de fond, j'ai recouvert avec de la dentelle, j'ai mis des fleurs, alors celles-ci sont faites main, les autres sont achetées, donc elles viennent toutes de chez Action hein, pour la plupart. Ici j'ai mis du papier calque que j'ai embossé, voilà, avec des petits papillons coupés en papier vellum. Ici vous avez le faire-part, donc le faire-part. Que j'ai réalisé aussi moi-même. Donc j'ai mis un ruban, voilà, et j'ai utilisé les pochoirs de chez Action. J'ai utilisé donc plusieurs sortes d'encre, toujours dans le ton doré et argenté, pas argenté pardon, doré et orange. J'ai fait une petite bannière avec les dies de chez Action. Ici j'ai utilisé un dies que j'ai trouvé sur AliExpress que j'adore. Voilà, donc j'ai fait un pliage. Quand on ouvre, nous avons une petite pochette avec un petit coupon réponse. Nous avons la petite pochette orange pour que la découpe se voie mieux. Quand vous ouvrez les deux boulons, alors j'ai mis des post-it hein, pour vous pas vous montrer les photos des personnes et voilà les lieux, tout ça. Difficilement le zoom, je sais pas. C'est flou, on dirait. Pourtant, ma main n'est pas floue. Et donc, ici, vous aviez la petite note. Vous ouvriez le ruban. Hop. Et vous avez pareil la petite note des mariés. Donc, voilà, ça c'était pour le faire part. Et elle le conservera ici. Bon, après, si elle veut mettre autre chose, elle veut mettre autre chose. Donc, la première page. Voilà. Donc, c'est du papier de chez Action. J'ai mis de la dentelle, du ruban, des petites fleurs. J'ai écrit en haut, alors on ne le voit pas du tout, mais il y a le nom des mariés en petites lettres. Donc, on ouvre ici. Voilà. Donc en fait c'est un petit livre. À l'intérieur vous avez une petite pochette avec de la dentelle. Enfin c'est pas de la dentelle, c'est des coupes de bordure que j'ai faites. Et là j'ai recouvert avec du papier. Ici j'ai recouvert avec le papier. J'ai mis du papier sur les tranches. Ça c'est du papier couleur mandarine dans lequel j'ai tamponné. Pareil, j'ai mis plein de petits tampons. J'ai fait aussi une découpe, voilà, une découpe à la perforatrice de bordure. Et enfin, pareil, vous avez la même pochette, voilà, avec le même papier doré. Là, le papier pas doré. Là, le papier pas doré. Là, le papier doré. Comme ici, le papier doré. Et donc, ceci, je vais vous dire, c'est filmé. Vraiment bizarrement.
Voilà, ça je vous avais mis le petit livret, le petit tuto, vous voyez quand vous tirez les pages, le livret souffle tout seul. Donc voilà pour ce glissa, ici, pardon. Hop. Donc en deuxième page. Donc ça c'était un papier de fond où j'ai remis du tampon, où j'ai fait de la pâte à structure que j'ai colorée. Voilà, j'ai mis des petites fleurs, pareil. Et j'ai fait un petit livret, je vais me mettre peut-être dans ce sens. Alors, j'ai mis des petits, des pilof. Ici, j'ai fait le petit livret, donc vous l'ouvrez comme ceci. Donc, vous avez le côté extérieur. Hop. Bon. Et le côté intérieur. Hop, ça c'est le compartiment caché. Voilà. Et vous pouvez le tirer comme ça. Donc si vous le tirez comme ça, voyez, vous voyez pas le compartiment caché. Ensuite, vous avez le petit livret qui se tourne. Donc il y a un moment, vous pouvez le tourner. Vous pouvez mettre une photo dessous. Donc pareil, le papier, c'est du papier standard que j'ai. Tamponné et mis de trucs. Donc vous ouvrez le livret, comme ça. Bien sûr. Ça, oui. Donc voilà. Celle-ci, je vous avais mis un tuto dans mes vidéos. Alors là, je ne vais pas y arriver parce que j'ai qu'une seule main. Il faut tirer à deux mains. Donc, vous savez, c'est la fameuse tirette. Vous voyez, quand vous tirez en haut. Et ben ça sort en bas. Donc avec une seule main c'est pas facile, mais bon pareil, voilà, j'ai mis avec la pâte à structure des fleurs. Ici c'est la cascade, hop là, là. Elle a glissé, sauf si je vous en ai mis un tuto. Donc c'est la cascade verticale, hop, vous ouvrez et puis vous pouvez tourner vos pages, mettre une grande photo. Donc j'ai mis un grand encart avec de la dentelle. Allez, j'ai fait des petites fleurs que j'ai mis, que j'ai collées. Voilà. Il y a vraiment un problème de mise au point. Hop. Donc ici, vous voyez, j'ai aussi collé de la dentelle. Là, j'ai aussi utilisé les pochoirs et les tamponnages. J'ai mis des petites décorations. Alors, toutes les décorations viennent principalement de chez Action. Ici, vous avez la fameuse tirette. La cascade interactive. Voilà. Donc, ici, un papier standard, des petits peel-off. Donc, j'ai mis un papier comme ça, mais il va y avoir la photo sur la bonne grandeur. Donc, c'est pas. Ce sera recouvert. Hein. Ici. On a des petits, bon, je sais plus comment ça s'appelle, des petites flippettes. Donc vous ouvrez, voilà. Je vais mettre vos photos. Donc c'est pareil, ça c'est du papier standard que j'ai colorisé avec des aquarelles dorées. Voilà. Hop. J'ai collé des fleurs un petit peu partout et sous les fleurs, il y a de la dentelle. Voilà. Et c'est aimanté, vous soulevez, vous avez votre texte. Et voilà, là aussi, donc vous voyez, j'ai fait une petite bordure. Pareil, ça, j'ai ancré les papiers. Donc voilà, c'est aimanté, ça se ferme. Et pour finir, on a le petit ascenseur. Donc ça, j'adore. Donc pareil, ça, c'est des petites fleurs féminines aussi. Donc vous tirez, vous avez de quoi mettre des photos et vous ouvrez, hop, et vous pouvez mettre encore des photos. Donc pour un mariage, vous pouvez mettre les témoins, les parents, etc. Donc là, le derrière des papiers, puisqu'il était coloré que d'un côté, j'ai tamponné et j'ai utilisé des pochoirs. Donc voilà, donc, vous avez en haut. D'une main, hein, j'ai fait
Voilà, vous avez la même chose. Hop, ici, comme ça. Et puis de ce côté, j'ai mis ma petite carte de vœux. Et puis voilà, j'ai fait une petite pochette avec des petits pilofs, de la guirlande dorée, des petites fleurs, pareil, que j'ai collées. Et puis ici, il y a ma reliure orange et ma reliure dorée. Comme ça, ça fait vraiment dans les tons. Voilà, j'espère que l'album vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.